Salut à tous. Waouh. C'est une sacrée crème glacée. J'en veux un aussi. C'est qui d'autre est là-bas? Bonjour, ma belle. Ça va? Quel bel homme. Est-ce que t'es congelé là? Sympa. Je pense que c'est l'excuse parfaite pour avoir ta crème glacée. T'as toi, c'est à moi. Waouh. Et toute la crème glacée à moi, sympa. Donc c'est mal de voler celui d'un autre. C'est mauvais, mais c'est délicieux. Qui a fait ça? Pourquoi vous êtes de tels voleurs? Et c'est juste de les voler toute autre chose. Je propose que nous découvrions ce qu'il y a à l'intérieur dès que possible. Totalement d'accord, c'est tout. Un seul biscuit pour nous trois. Oui, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois que je sais. Il est temps de tirer les cartes. Je ne vais même pas essayer le biscuit. Pas de chance. Sauf si je vais vite. Non, tu ne toucheras pas notre biscuit. Maintenant, je tire la carte. Je peux le mordre. Eh bien, cela signifie que je vais devoir le lécher. Et je voulais manger. C'est bon, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Bien que j'ai une idée. Samantha, et si je commençais? Vas-y. Tu ne peux pas manger de toute façon. Je mangerai peut-être pas, mais je lécherai la meilleure partie. La farce blanche. Quoi? Tu n'as pas laissé pour moi? T'inquiète pas, j'ai préparé de la bave juste pour toi. Voilà, profite de ton appétit. J'ai une bonne bave d'ailleurs. Hey you! Quel cauchemar! C'est tellement dégoûtant! Oh! J'ai l'impression d'avoir été léché dans la bouche par un chien! Hey, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est dégoûtant! Il est temps d'ouvrir! Je peux le faire cette fois-ci. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh oh, je pense que c'est un cactus! Peut-être que ça sera chocolaté? Il faut le vérifier! Non, non! C'est pas vrai! C'est réel! C'est terrible! C'est une aiguille! Je sais comment je peux t'aider! Il se trouve que j'ai quelques pansements qui traînent! C'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment! Merci, Jack! T'as un vrai gentleman! Je dirais qu'il est temps de tirer les cartes! Oh, bien, pas encore! Yeah, j'ai gagné! Vous ne toucherez pas! Oh, je vais devoir le lécher! Et je dois le mordre! C'est affreux! Oui, pas de chance! Surtout en étant le premier! Moi, pourquoi moi? Non, tu commences! Arrêtez! Non, c'est à toi! Non, c'est à toi! Arrêtez! Pourquoi ne pas régler la question d'une manière plus simple? Pierre, papier, ciseaux! C'est une bonne idée! Pierre, papier, ciseaux! Ah, je pense que je gagne! Alors, Jacques, tu seras le premier à lécher cette horreur! Au moins, c'est juste! Oh, ça fait vraiment mal! Aïe! Pauvre Jacques! Oh, allez, c'est juste une blague! La langue n'est pas vraiment réelle! Stupide blague! Maintenant, tu dois lécher le cactus pour de vrai, hein! C'est bon! D'accord? Je vais pas prendre le risque. J'ai une idée pour rendre un cactus complètement inoffensif. Comme ça, ça ne sera pas du tout piquant. Ah, arrête, fais attention. Ça vole toujours droit sur nous. Je suis couverte d'aiguilles. Arrêtez, ne râlez pas. Au moins maintenant, je peux lécher le cactus en paix. Et Amber peut le mordre. D'accord, je vais essayer. Je suis pas impliquée, mais je suis toujours couverte d'aiguilles. Oh, même un cactus rasé a un goût dégoûtant. Oh, c'est juste dégoûtant. Pourquoi moi encore? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh, oh, c'est pas moi. Poupou. C'est toi, elle, Amber. C'est quoi cette odeur? Je pense que l'odeur vient sous le couvercle. Il faut découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Wow, c'est ce dont j'avais peur, c'est un poisson. Oh, horrible.
Méchant poisson. Mais les cartes n'ont pas été annulées. Oh non, je vais devoir le lécher. Yeah, je ne fais rien du tout, je suis chanceuse. Qu'est-ce que c'était? Oh, arrête. Alors je dois mordre ça? Eh bien non, je suis pas d'accord. Vas-y. C'est difficile que je pensais. J'ai peur. Mais je dois le faire. Encore une minute. On va pas t'attendre. Je vais t'aider. C'est vrai, c'est vraiment plus rapide. Horrible. Comment tu oses? Je vais t'attraper. Ici, mange ton poisson. T'as fait quoi? Je n'étais pas prête. Je vais être malade. Oh, ça pue. Mais ce n'est pas tout. Il te reste un demi-poisson entier. Lâche-moi. Oh, tu me fais mal. Pourquoi tu fais cela? Eh bien, bon. C'est parti. C'est un énorme gâteau. J'ai déjà envie de le manger. Mais pas encore. Les cartes d'abord. C'est prêt maintenant. Génial. Je peux lécher n'importe quoi. Oui, je vais manger. Il n'y a rien que je puisse faire. Et pourquoi je devrais souffrir? Je peux aussi goûter le gâteau. Oh, c'est délicieux. Je pourrais manger ce gâteau pour toujours. Ne me touche pas. Ce n'est pas ton gâteau. Arrêtez. Vous pouvez bien partager. Parce que nous n'avons pas assez. Tu veux bien t'arrêter? En fait, c'est aussi mon gâteau. C'est vraiment bon. Arrête. Il faut partager. What? Mais qu'est-ce que tu... Oh, encore du gâteau sur le nez. Génial. T'avais raison. Le gâteau est génial. Hé, hey, Samantha, pourquoi ne partages-tu pas avec nous? Quoi de plus? C'est mon gâteau. Ah ouais? Alors tiens ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais te... C'est ça. Je vais t'attraper. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Ah ah. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que ça te va bien. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oups, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. C'est juste horrible, c'est dégoûtant. Quel cauchemar. Et moi, je mange ça. Et moi? D'accord, le chien ne serait pas si difficile si tu tiens le nez. Ce n'est pas si effrayant. Ici, t'enlèves la panse à l'ange. Oh, c'est dégoûtant. Mais non, ma protection. Maintenant, toi. Oh non. Okay. Je ne peux pas faire ça. C'est dégoûtant. Mais il faut. Pourquoi est-ce que c'est moi qui a de la malchance? Du coup, c'est désagréable. Un vent de l'air frais. Raconte-moi. Tu n'es pas encore heureuse, je me sens pas très bien. Oh non, il y a encore cette puanteur. Aidez-moi. Je suis en train de tomber, sauvez-moi. Oups. Ce n'est pas ma faute. Jetons un coup d'œil ensemble. Cool, Babouba. Oui, il ne reste plus qu'à tirer les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est parti, je ne pourrai même pas manger. Je peux mâcher en chewing-gum. C'est cool, non? Allez, chier. Le chewing-gum doit être mâché. Tiens, attrape, tu commences.
cool. J'espère que le goût est vraiment bon. Essayons avec la langue. Bingo. Yank, quel est le problème? Je peux tout lécher. What? Le goût sera meilleur comme ça. Tu vas tout gâcher. Peut-être que c'est suffisant. Donne-le-moi. Voilà, maintenant, elle se bat dessus. Au moins, c'était bon pour moi. Non, je ne le mangerai pas. C'est dégoûtant. Ah. Oh non. Pourquoi moi? Oh non, personne ne va le manger après moi. Okay. Les gars, je veux d'abord ouvrir mon plat. Waouh, il y a du chewing-gum. Cool. Je suis contente de l'avoir eu. Ça sent si bon. Je n'ai même pas encore mis le chewing-gum dans ma bouche. Et ça a déjà bon goût. Qu'est-ce que tu fais, Tom? En fait, t'es censé attendre tout le monde. Voyons ce qu'il y a sous mon couvercle. Waouh, il y a aussi du chewing-gum. Mais c'est beaucoup plus que celui de Polly. J'aime bien ça. Nous devons nous débarrasser de l'emballage. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Tous les emballages volent vers nous. Je suis heureux que t'aies terminé. Il ne reste plus qu'à ouvrir mon lot. Oh, il y a une centaine de paquets de chewing-gum. Comment je suis censée me débarrasser de tas d'emballages? Je vais essayer d'utiliser le ventilateur. Génial, je l'ai fait. Comme je peux t'implanter. Je n'en rêvais même pas, Polly. Polly n'a rien réussi. Eh bien, c'est très bien. J'ai mon propre chewing-gum et je vais l'essayer en première. Et vous attendez que j'ai fini. Comme c'est bon. Maintenant, on peut faire des bulles. Oh. Perdante? Non, mais t'as échoué encore une fois. Je sais ce qu'il faut faire. Juste besoin d'une pompe à main. Regardez. Sur le point de gonfler le plus gros ballon du monde. C'est une excellente idée. C'est devenu très joli. Je vais le mettre sur une baguette et le garder en souvenir. J'aimerais aussi avoir un ballon comme ça. Et comme ça, ce n'est pas le mien. Je vais devoir m'en débarrasser. Désolée, Polly. Je m'en souviendrai encore, Kate. Comme ça. Eh bien, c'était proche. Bon, l'heure de la revoir viendra un jour. Heureusement que ce n'est pas le cas. Parce que j'ai des choses plus importantes à faire. J'ai beaucoup de chewing-gum à manger. Polly, je te laisse regarder ça. Je pense que nous allons devoir attendre longtemps. Qui a été si lente. Ben, regarde, elle gonfle le ballon. Je peux enfin prendre ma revanche. Qu'est-ce que t'as fait, Polly? J'étais tellement douée pour cela. Non, mais je t'ai remboursé avec ta propre monnaie. Non, je crois que j'ai arraché mes sourcils. Je dois les mettre tout de suite. J'espère qu'ils ont l'air normal après tout ce qui s'est passé. Arrêtez de rire. Non, mais Tom, t'as du travail à faire. Étonnamment, je suis d'accord avec cette fois-ci. Il va en falloir beaucoup d'énergie et de temps pour manger autant de chewing-gum. Je pensais pas que c'était si difficile. Je suis déjà en train de transpirer, mes mâchoires peuvent à peine bouger. Eh bien, je pense que je peux gonfler une bulle. Je peux le faire. Tom, arrête! C'est trop! Oh non, c'est en train d'éclater. C'est comme si une bombe avait explosé ici. Tu vas bien, Tom? Je ne peux pas bouger. Je suis collée à la table. La tradition, je dois commencer. Waouh, des skittles, c'est encore mieux qu'un chewing-gum. Voilà, donc quelle portion qui est tout moins bon obtenu. Oh, j'en ai beaucoup de bonbons. J'ai une montagne entière. Je ne peux même pas compter tout ça. Polly n'a pas de chance, comme d'habitude. C'est si méchant, peu importe, un jour il y aura des vacances dans ma rue. Alors je partagerai pas avec vous. Il n'y a qu'un seul bonbon dans le paquet. C'est trop. Je vais devoir le manger très lentement pour profiter de chaque instant. Nous n'avons plus de bonbons, quel dommage. Attendez, à quoi le zèbre? Voici ma portion que tu peux tirer pendant le moment. Mais je vais pas faire ça. Pourquoi faire des économies quand on a tant de papiers de bonbons? Intense et gridou à la fois. J'aime ça. Attendez, j'ai une idée. Faites-moi confiance, mon plat, on va vous surprendre. Vous devrez vider tous les bonbons des paquets pour y arriver. Mais ça vaut le coup, je suis prêt à y consacrer un peu de temps. C'est fait, allons de l'avant. Maintenant, les bonbons doivent être codés par couleur, comme ça. Je pensais pas que ce serait si amusant. Voilà, j'ai presque fini. Regardez comme c'est beau. Je peux en avoir? Super, Tom n'a rien remarqué. Aussi, tu peux voler d'autres bonbons. Comme c'est sournois de ma part. Je sais pas où vont mes bonbons.
Je pense qu'il y en avait plus. Molly, tout cela est ta faute. C'est bon, je te pardonne maintenant. Je vais juste laisser cette souricière juste ici à la remplir de bonbons pour que tu te ne doutes de rien. Elle est en train d'en prendre d'autres. Oh non, mon doigt! D'où vient cette souricière? Non, mais j'ai cassé mon doigt. Tant je sais, c'est toi qui as fait tout ça. Tu n'aurais pas dû porter mes bonbons. Au fait, je les ai déjà triés par couleur. Je peux maintenant profiter de chaque saveur séparément. Aldine, elle a juste pris quelques bonbons. C'est bon, Tom. Je vais t'en donner. Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un ventilateur. Non, mais t'as soufflé tous mes bonbons. Heureusement que les miens sont toujours là. J'ai hâte de les essayer. Je vais commencer par le haut. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça a l'air délicieux. Quelle variété de saveurs. J'adore la sensation qu'ils procurent tous en même temps. Le premier baquet, c'est bon. Il est temps d'ouvrir le reste. Et si je prenais les bonbons directement sur la table, ça ne serait pas plus pratique, ça? Oui, c'est très bien, continuons. Je commence à y prendre goût, j'ai un tel appétit. Non, mais je veux manger encore et encore. Oui, ça prend le temps. Peut-être que je vais jouer aux pop-its. Et tu veux pas jouer avec les doigts? C'est fini, je n'en peux plus. Mon estomac est plein à craquer. Alors, on va finir. Et non, je peux me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Pourquoi t'as besoin de tant d'assiettes? Tu dois être patiente, Tom. Tu vas le découvrir bien, c'est tout. Oh, regardez comme je lui montre disposer le sucrier. Maintenant, il faut les arroser de Sprite et nous verrons un vrai miracle. Ça sert à un arc-en-ciel dans un bol. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer, tout est clair maintenant. C'est parti, regardez. Comment t'as trouvé ça? Ça a l'air magique. Cela ressemble vraiment beaucoup à un arc-en-ciel, je te l'avais dit. Les couleurs s'écoulent magnifiquement une par une. Génial! Je vais être la première cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu de si petites portions de pop-corn. Il n'y a qu'un seul noyau par bouchée. La chance m'a enfin souri. Je savais que ça allait arriver. Quel énorme saut de pop-corn! Génial! Maintenant, je t'envie, Polly. Tu vas devoir manger ton pathétique noyau et pleurer. Peut-être que mon astuce va adoucir les bords. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Je pense qu'il fait des bêtises. Tu ne comprends rien. Mais mes petites portions doivent être mangées magnifiquement. Je prends une fourchette et un couteau. C'est ce dont font les vrais aristocrates. Ce n'est pas facile de couper un si petit grand. Mais je sais comment gérer la nourriture. Je vois, tu fais exprès de gagner du temps. Ouais, je sais juste que ce sont les bonnes manières. Tu sembles les oublier parfois après tout. Je me moque des préjugés. Je savourais mon popcorn. Même s'il y en a si peu. Regardez, je suis tellement agile. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Eh bien, je suppose que c'est tout. Il reste encore un grand, super. Je le mangerai pour le dessert. Nous allons voir ça. Oui, passez mon popcorn. Tom, qu'est-ce que tu fais? Tom a roulé Kate autour de son doigt. Non, mais réglez ça entre vous, j'ai mieux à faire. J'ai une montagne entière de pop-corn à manger. C'est si doux et si croustillant. J'ai attendu ce moment pendant longtemps. Je vais enfin en mettre le nez. Non, mais la chance t'a fait n'importe quoi. Je peux te voir. N'essayez même pas de voler mon pop-corn. Non, pas l'habitude de battre un gouttret si rapidement. Je sais ce qu'il faut faire. Un aspirateur spécial, mais de ravoler du pop-corn. Ça marche? Tom, tu me fais encore? Non, mais je veux récupérer mon pop-corn. C'était un plan brillant. Tu t'en sors bien. Tom, mangeons. Attrape le pop-corn avec la bouche, Kate. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout simplement scandaleux. Je suis prêt à recommencer. Oui, Oreo, j'adore. Même si c'est petit, mais je pense que ça va être bon. Oui, et j'ai tellement de chance encore, c'est si bon. Non mais qu'est-ce que tu sais de la chance, Polly? Regarde ça, ma portion est tout simplement géniale. Et Tom est en perdant. Attention, tu vas faire tomber mes biscuits. Ce serait bien. Ne te moque pas de moi. Crois-moi, je peux apprécier même la petite portion.
Les biscuits sont croustillants et la saveur du lait est complètement parfaite. Oh non, je vais tomber le biscuit dans le verre. Je dois le faire sortir, sinon ça va devenir mou. Mais maman ne veut pas entrer. Je sais, il faut juste boire le lait puis le biscuit reste au fond. Oh, je crois que je l'ai avalé. Okay. Maintenant c'est mon tour, j'espère que mon whisky n'aura pas à être repêché dans le verre. C'est beaucoup de remplissage là-dedans, j'adore. C'est tellement crémeux et la pâte est croustillante, la combinaison parfaite des textures et des saveurs. Voilà, mon biscuit est aussi tombé dans le verre. Voyons comment tu t'en sors, Polly. Et si je n'en fais rien du tout? Grâce au biscuit, mon lait a pris un temps chocolaté. C'est génial, hein? Je dois ajouter plus de biscuits et mélanger le tout correctement dans un milkshaker. Cela fera un délicieux shake au chocolat. Presque terminé! Il ne reste plus qu'à secouer. Non, mais il va faire vraiment un milkshake délicieux. Vous allez voir. Je ne doute pas un seul instant de ma recette. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte de l'essayer. Je dirais que Polly avait raison, son plat a fonctionné. Je te l'avais dit, maintenant regardez, enviez-moi à nouveau. Yum. Allez, au chocolat au goût de biscuit. Je ne veux pas le boire avec une paille. Je veux tout d'un coup. Génial, je dois me souvenir de ce cocktail. On dirait qu'il n'en reste qu'un seul, t'inquiète pas. Tu n'aurais pas à attendre longtemps, j'aurai ma part rapidement. Il faut pas mettre vos mains sur elle. J'ai mes propres plans pour elle. Le biscuit entier va dans le verre de lait. Wow, c'est un gros plouf. Je l'avais pas vu venir. Mais le biscuit était rapidement dans le verre. Super. Ne t'excite pas trop, ok. Nous continuons à te suivre. Bon appétit. Qu'est-ce que fait Chico verre de lait et de biscuit? Wow, il y a beaucoup de Twix. Est-ce que c'est beaucoup ça? Vous avez de la chance. Je n'ai qu'une seule barre de chocolat. Hé, hey, fais attention à tes emballages. Ne me crie pas dessus. Sinon, je vais te... Si, avec une scie. Non, non, s'il vous plaît. Mais bon, ne criez pas. C'est pas pour vous. C'est pour mon barre de chocolat. Pour les deux. J'ai oublié qu'il y en a deux barres dans le Twix. T'as oublié? T'as pas oublié que le chocolat vole dans toutes les directions quand tu l'as vu? Au lieu de me gronder, hein, t'aurais pu être heureux pour moi. Je n'ai qu'une seule barre de chocolat. Vous en avez tellement. Si t'as terminé, alors il est temps pour moi de m'occuper de mes bébés. Il faut d'abord me débarrasser des emballages. J'ai dit de tous les emballages. Maintenant, on peut manger. J'aime beaucoup Twix. C'est toujours délicieux. Surtout quand il y en a tant. Awesome! J'ai une idée. Pourquoi je mangerais des chocolats secs aussi délicieux? Si je pourrais les tremper dans du lait. Vous moquez de moi? Pourquoi tout vole vers moi? Ne bavarde pas. Tu ferais mieux de voir comment le lait ordinaire se transforme maintenant en lait du chocolat. Tu n'as jamais rien vu d'hôtel. Tu peux le manger bien et le boire bien aussi. Je vois que t'as presque terminé. Cela signifie que je peux manger du chocolat maintenant. Il ne reste plus qu'à souffler sur les emballages. Comment ça? Dites-moi que c'est cool. Je suis d'accord, mais ce n'est pas tout. C'est le moment de réaliser un important projet de construction. Tous ces chocolats sont des matériaux de construction très solides et savoureux. Et c'est le Nutella qui colle tout ensemble. Ça complétera le chocolat et collera parfaitement l'un à l'autre. Lancez-vous dans la construction! Wow! Vous n'avez qu'à regarder ce que je reçois. C'est la première tour en chocolat du monde. Et elle s'élève jusqu'au nuage. Je ne peux pas la terminer sans une échelle. Je ne sais pas que je ferai un si grand bâtisseur. Tu sais que c'est notre chance. Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vas-y, mange. Bizarre. Pourquoi est-ce que tout tremble? Oh oh! Aidez-moi! J'espère qu'il est en vie. Comment osez-vous? C'était mes chocolats. Heureusement que j'avais mon casque. Cela m'a sauvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis si malchanceuse? Je n'ai qu'un seul œil. Celui-là, là, je l'ai percé. Tu n'as pas vraiment de chance. Tu vas rire, je vais te salir. Attention, le œil est très collant. Comment c'est, t'aimes ça?
Stop, je ne vais pas perdre du temps, je préfère manger. Mange, je vais faire une farce très très drôle en attendant. J'aurais besoin de ketchup ordinaire. Je pense qu'il va l'acheter. Julia, regarde, je vais m'arracher l'œil. Quoi? Quoi? Ouah, non, c'est réel. Lâche-moi, maintenant, tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il s'étouffe. Il faut le taper dans le dos tout de suite et tout irait bien. Ces boules de chocolat sont délicieuses après tout. Je pourrais tout simplement les manger. Quoi? Devions l'œil. Horrible. Je pense que l'œil a l'air réel. Bien sûr. La différence est que l'œil est beaucoup plus savoureux. Il y a aussi une délicieuse farce à l'intérieur. De la farce, tu dis? Alors regardez-moi. Maintenant, c'est à mon tour de manger ces friandises à la marmelade. Non. Il manque quelque chose. Une autre perdue. Non, tu ne peux pas toucher les miens. Je peux m'occuper de ça, vous. Il pourra au moins. T'es un ami. Partage avec nous. Il n'y a rien à partager. J'ai fini. Regarde, c'est vide. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je vois si bien? Ce n'est que la cupidité. C'est vrai, c'est vrai. Vous moquez de moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours si petit? On a beaucoup, nous. Une seule chips. J'arrive même pas à la ramasser. C'est si petit. Pourquoi elle est allée sous la table? Mais pourquoi? Je dois la manger d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'une paire de pinces épilées pourrait m'aider. Et vous auriez dû manger au lieu de rigoler. Facile! J'ai mangé mon paquet rapidement. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah! Peter! Comme une fille! Je suis pas une fille! Et en fait, il y a d'autres solutions pour ouvrir le paquet de chips. Je vous avais dit! Et pour pas se salir les mains, les chips vont voler droit dans ma bouche. C'est tellement bon! Wow! Oh. Ouais, je ne pensais pas qu'un paquet de chips pouvait blesser un gars. Hey! Il est temps pour moi de manger les friandises. Non. Comme c'est bon! Ouais, c'est le feu total! Oh, ça fait mal! Eh, c'est bon pour moi! What? J'ai envie! Ou pas! Comme ces chips sont bons, je ne peux pas m'arrêter. C'est impossible. Ils sont trop bons, vraiment. Attention, c'est un bombardement. Ouais, je pourrais avoir un casque. Ce n'est pas d'un casque dont tu as besoin. C'est de toutes les chips dont ce glouton a besoin pour se casser. Waouh, c'est bon. C'était un coup parfait. Qu'est-ce que c'était? Aidez-moi. Pas le brocoli. Brocoli? Mais pourquoi j'ai une sorte de graine? Ça n'a pas bon goût. Oh. C'est vrai. J'ai juste besoin de le planter. Ainsi, je vais découvrir ce qui en sortira. Arrêtez! Stop, toute la terre vole vers nous. Oh, je ne voulais pas le faire. La bouche entière est dans le sol. Je ne suis pas offensée. Je ne fais que creuser un trou pour mon bébé. Pendant qu'elle pousse, vas-y et mange ton brocoli. Ok. Apparemment, c'est mon tour maintenant. Mais le problème, c'est que je déteste le brocoli. J'ai l'impression qu'un chat a fait caca dans ma bouche. Ouais, c'est vraiment horrible. Il faut boire quelque chose. Oh, quelque chose de liquide. Oui, je vais arroser. Regardez, ça pousse. Ton coca a aidé le brocoli. Ça a aidé. En fait, maintenant, tu dois manger ça. Et c'est pas une fleur, c'est vraiment le brocoli. Manger? Mais non, je m'en occupais de cette plante si longtemps. J'espère que c'est bon, moi. Non, en fait, c'est pas bien du tout. C'est horrible pour le goût. C'est impossible à manger. Ah, et t'as vraiment de la terre partout. Maintenant, il reste que toi. Moi? Mais c'est si gros. Je ne pourrais pas le manger.
Mais j'ai une idée. Regardez tout le monde, il y a un bateau qui vole dans le ciel. Naïe, tu regardes pendant que je me débarrasse de cette chose, c'est trop désagréable. Alors, t'essayes de nous tremper, hein? C'est affreux. Oh, c'est pas bon du tout. Regardez, j'ai tout mangé. Ça va être de pire en pire. Dis-moi merci. Je n'ai vraiment pas envie de manger ça, mais je suppose que je vais devoir le faire. Skittles, génial. J'aimerais en avoir plus. Ah, Julia, encore le moins. Pas seulement moi, je n'ai qu'un seul bonbon. Mais tu n'es pas encore heureuse, j'ai un plan génial pour le rendre plus grand. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un iPhone très basique. Il suffit de zoomer sur le bonbon sur l'appareil photo. Cool. Maintenant, il est plus grand et probablement plus savoureux. Oui, c'est juste magique. C'est tellement bon. J'adore. Peter, c'est à ton tour de manger. J'aimerais beaucoup. Regarde, je suis sur le point d'attraper tous les bonbons dans ma bouche. Vous avez déjà vu une telle chose? Oh, t'as raté un peu. Un peu? T'as failli ne rien attraper. Vas-y, tout le monde t'a oublié. Maintenant, je vais manger, moi. Je peux te prendre un bonbon? Oui, bien sûr que non. C'est à moi. Il reste plus difficile. Quelle couleur choisir? Je vais manger ces bonbons moi-même. J'ai besoin d'une roulette. Wow! Quelle couleur choisir? Wow! Je vais commencer par le vert. Wow! En fait, c'est ma couleur préférée. Alors, j'ai de la chance. Et je vais manger tout. C'est très bon, ces bonbons. Alors, je vais prendre le capsule. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est brillant, ça! Waouh! Regardez cet énorme bonbon! C'est si délicieux! Waouh! Il y a plein de bonbons à l'intérieur! C'est assez pour durer toute une nuit! J'en veux aussi! Oui! Oh non, c'est parti! Partage! Bien sûr que je le ferai! Donne-moi tes mains! Ici, par Adam, il y a assez de bonbons pour tout le monde! Merci, Peter.